Ok. Ok, le son du jeu est beaucoup trop fort. Bumbo live in a box behind the house on the hill. Bumbo have trash, Bumbo have coin, life good, Bumbo happy. That Oh la too, Bumbo be a vache, le jeu voice m'a of a explosé bush. les tympans. That nice coin you have there, Bumbo. That not you coin, Bumbo yell. Go away from it. Suddenly bad guy come and take coin. Then down hole. Bumbo think fast, grab trash. C'est un jeu qui a eu une critique. Alors, moi j'ai beaucoup attendu pour y jouer. Je vais expliquer pourquoi après la cinématique. Donc, le jeu il est à un prix de 13 balles, je crois. Il a été beaucoup critiqué parce qu'à la sortie, le jeu était buggé as fuck. Il y a eu des gros soucis de bug, de le fait qu'il rame beaucoup. Donc plein de petits problèmes et tout. Mais bon, alors pour moi, c'est les gens, ils m'énervent, c'est qu'un jeu sort, il est en early access. Tu sais que le jeu. Ah non, le son est. Oh, le son est beaucoup trop fort. On va le mettre comme ça. Donc on sait que le jeu est très dur et que faut pas se vénère tout de suite quoi. Et j'ai vu des gens mais qui s'énervaient tellement contre le jeu au début de sa sortie que j'étais en mode mais calmez-vous en fait, le jeu il est au début, c'est le temps que ça se développe, puis après ça sera beaucoup mieux, donc calmez-vous. Alors, le principe du jeu, c'est qu'en fait, on reprend le concept des. J'allais dire catch a game, non, des jeux où il faut aligner des pièces, un peu comme pour les jeux mobiles, je sais plus c'est quoi le terme technique de ces jeux-là. Et donc, le but, c'est donc d'aligner ces pièces-là. Par exemple, là, il me dit, si j'aligne 4 os, boum, ça va me faire une attaque. Ensuite, en gros, pour vous expliquer, en fait, on peut aligner des trucs, donc le but, c'est d'aligner toujours plus que 3, je crois, si je dis pas de conneries. Ça doit être un truc comme ça. Les os, ça fait quoi? Ça fait qu'en fait, je vais pouvoir choisir où j'attaque. Donc là, ça me dit j'attaque ici. Donc j'attaque sur lui. Je vais lui lancer un os. Et je vais pouvoir lui faire des dégâts. Ici, c'est mes points de vie. Pour vous expliquer, c'est que là, on a des mouvements. En gros, là, j'ai le droit à deux mouvements. Donc je peux déplacer deux lignes comme ça. Et là, je vais aligner 5 dents. Ça veut dire que comme j'en ai aligné 5. La plupart du temps, ça met un bonus en fait. Donc là, ça fait plus de dégâts étant donné que j'en ai aligné 5. Et ça met un peu mieux. En plus de ça, il y a un autre truc à prendre en compte, c'est que on a des points de mana pour chaque truc. Donc là, on a les os, le caca, les pets, les dents et le pipi. Donc chaque truc se stack. Et ici, on aura des compétences spéciales qui utiliseront nos points de mana, entre guillemets, dans chaque. Les points qu'on aura cumulés, qu'on aura en jouant. Alors oui, il y a un truc comme ça aussi. La première fois, j'étais un peu perdu. En fait, quand vous bougez la ligne, c'est assez spécial, c'est que vous bougez tout sur la ligne, en fait. Vous voyez, je peux. Le fait qu'ils soient décalés comme ça, en fait, ça veut dire qu'ils sont collés dans l'autre sens, donc je peux largement les mettre comme ça. Et donc là, je vais faire un petit combo. Donc je vais pouvoir le viser avec une dent, boum. Et réenchaîner avec un os. Ça veut dire qu'on peut comboter dans le jeu, ce qui est assez sympa. Donc voilà, le fait qu'on peut jouer comme ça, c'est-à-dire que là par exemple si je vois que c'est éloigné, au lieu de bouger bêtement, en fait j'ai juste à bouger comme ça, et les quatre seront réunis en fait. Donc là j'ai fait un bombo gaz, je vais pouvoir lui lancer à la tronche. Il y a un autre truc important à prendre en compte. Je crois que le bombo gaz, je sais plus ce que ça fait. Si ça fait juste tenir un truc supplémentaire. Donc là, je vais bouger le caca. Je suis obligé de faire deux moves. Le caca, c'est quoi? C'est vous allez pouvoir poser une petite crotte devant. Et en fait, elle tankera une attaque.
Alors si l'attaque fait plus de 1 de dégâts, je crois que tu te manges quand même une partie des coups. Le problème, c'est que là, j'ai besoin de... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dans tous les cas, je vais manger un coup, en fait. Je crois qu'on est obligé au début. Donc là, je perds un demi-cœur, hein, c'est le principe. Je ralline 4. Pour lui lancer dans la gueule. Boum. On fait des coins, et là, je passe. Le chara-design du jeu, le fait que c'est des cartons comme ça, je trouve ça assez joli. J'ai ruiné, je suis vraiment un gros débile. Normalement, t'aurais dû faire ça et ça. C'est en fait, je cherchais à voir si on pouvait annuler. On peut pas annuler. Hein. Donc là, il me dit si j'aligne des os, comme je vous l'ai dit, boum, je vais pouvoir utiliser ma compétence. Donc là, j'ai fait 5, donc j'ai le droit à 2 os vu que c'est un bonus. Et ensuite, je peux utiliser mon super punch qui fait moins 3. J'avais des os en plus. Ok. Donc il y a plusieurs bombos. J'ai totalement zappé de changer de scène, désolé. Ça sera peut-être mieux sur la bonne scène. Excusez-moi. Alors, je crois que sur la ligne là, j'ai pas le droit de bouger. Donc là, on voit quoi? Donc là, j'ai des merdouilles qui font 3 de dégâts. Ils vont me faire. Qui ont 3 points de vie et qui tankent beaucoup plus. Ils vont être un danger. Dans le futur, ils vont être un danger. Donc il va falloir que je fasse attention. Je peux... J'ai merdé, j'aurais pas dû bouger ça, j'ai envie de mourir. Bon, on va faire ça. Ça me fait un mouvement de plus, ça bouge mes trucs. J'aurais pas dû. On va faire ça et on va faire ça. Ça va me faire 5 avec le truc de paix. Et donc là, on va throw ici. Le fait de le stun, et on va faire la même ici. C'est chaud, j'ai vraiment pas un bon truc là. En vrai, je peux faire qu'un truc de 4 et avoir que ce que je fais parce que là, ils vont pas encore m'attaquer. Je pourrais déjà tenter de infliger des dégâts. Parce que même ça, ça va être compliqué. Il faudrait presque que je fasse ça et ça. Genre un truc comme ça,
Là, je lui affiche un. Boum. Donc là, je peux utiliser le spell. Je vais pas l'utiliser. Je vais pas utiliser ce sort-là. Donc eux, ils vont attaquer. Les deux vont attaquer. Donc le mieux. Le mieux que je puisse faire. Est-ce que je reroll? Ça peut se tenter, hein, reroll. Hein. Mon board est pas cool. J'ai eu de la chatte. Donc là, je peux mettre ça devant. Ah, je pourrais pas le mettre dans, devant l'autre. Ok. Ok. On va reroll. Hein. On va reroll. Ah, ça, je peux le faire par contre. Comme ça, je tue les deux. Ok, lui, il va attaquer mon caca, c'est pas un souci. Je peux commencer à le dégommer, c'est pas un souci. On va faire ça. Ok. Effectivement, on peut utiliser le spell. On va l'éclater. Je sais plus si tu gagnes entre chaque. Tu gardes entre chaque run les trucs. Alors là, j'ai le choix entre soit ça. Ou je retire un. Ah, c'est fort. Hein. On va prendre ça. Ah, coucou, Angnar. Coucou. Parce que on aime le caca ici. Vous savez quoi, boum, ça me fait ça. Et là j'ai deux moves. Que j'utilise à bon escient. J'aurais bien voulu tenter des damages plus que faire un move stylé, tu vois. Je pense que je vais faire ça. Et je vais faire ça pour commencer à attaquer parce que là... Faut que je commence à attaquer. Toi, je vais t'attaquer en premier. Lui, je peux le tuer. Ok, je savais que lui il allait me niquer soon, donc là c'est la strat. Et la strat ça va être de mettre un caca devant lui. Voilà, comme ça. Là comme ça j'ai un petit caca. On va faire ça. Alors lui il va être dangereux rapidement. Quoi? Attends, quoi? Pourquoi il m'a attaqué l'autre? J'appelle au bullshit. Il faut que j'ai un... Ouais, c'est de la merde. Et je peux plus reroll. Il fallait que j'ai un bon truc.
Parce que sinon... Sinon je peux faire ça effectivement, je me mets bien, ça nique tous les ennemis, mais par contre je repars en phase combat quoi. Qu'est-ce que je peux faire? Là actuellement, il me faudrait 3 de déplacement pour faire un truc bien quoi, ce qui est pas possible. Il aurait fallu que les deux là soient collés. Ok. On va le mettre devant lui. C'est très stratégique, hein. Quand on voit comme ça, on n'a pas l'impression, mais... Et là, je peux faire ce que je voulais faire avec ça. Et bon, bah, on va se reprendre un demi-cœur dans la gueule. Ah non, on a fait 2. Ça fait moins 2, cette merde. Oh bah, nice. Et toi, tu vas galérer à me tuer. Tu vas galérer à me tuer. Alors, qu'est-ce que je peux faire en bien? Il m'aurait fallu 3 de déplacement. On va mettre un caca devant lui. Hein. Bon, lui, il est déjà en train de... Il va tanker. Ah, nice. C'est ce que j'attendais. On va pouvoir faire ça. On va end le tour. C'est totalement stratégique. Le but étant de... Attends, je vais avoir un autre cœur ou pas? Ouais, là j'ai un autre cœur. Ok, c'est bon. J'ai pu me faire un demi-cœur et je vais le finir. Comme ça, j'ai plus régène. C'était mon but. C'est chiant de garder de la vie, donc tant que je peux... Ah tu vois, ouais, ça reset, donc... je ne peux pas garder indéfiniment mes stats, quoi. C'est important à savoir. La plus avancée et en faisant ça je peux tuer un deuxième mob d'un coup. Je sais plus comment ça se passe sur les unités Non, il y a trop d'espace. Je suis en train de compter par rapport à les trucs. Trop d'espace.
Vas-y, je vais tenter un roll avec de la chatte. Yes. Comme ça. On peut péter ça. Et je peux aller là. Ok, alors là, on a un beau truc. Tu gagnes un damage pour la room. C'est super fort, ça. On va affronter l'orf. Alors. Je fais ça en pensant que ça me débloquerait un petit peu plus, ce qui n'est pas énormément le cas. C'est pas ouf. Ah oui, merde, j'ai encore un déplacement. Et on va lui enfler, j'ai 3. Est-ce que ce serait pas intéressant que je fasse en sorte de gagner un damage de plus en faisant ça? De quoi faire plus de dégâts jusqu'à la fin de mon tour. Donc. Si je vais voir ça. Ok, on va purger les merdes qu'il m'a mis sur mon terrain. Qu'est-ce que je fais? Ok. Oh, ça passait, je me demandais si ça allait passer. Après j'ai perdu encore j'ai un cœur de moins quoi, donc with long butt, big long bone, bean with magic powers. Bon, on a réussi à passer le. With no thinking, Bumbo, bash open scary box. What? Le premier niveau. En vrai, le jeu là. Bumbo, what a twist. Alors, et là. On a terminé, on a Bombos de Nibble, donc nouveau perso qui a été débloqué. Est-ce qu'on a fini le premier niveau? Alors c'est pas comme Isaac ou comment dire, c'est un peu différent en termes de run. Après le jeu comme vous voyez il est très épuré dans l'idée qu'il n'y a rien en fait. Donc là c'est même pas de l'épuré, c'est vraiment il n'y a rien. Donc là on a Bombo, alors la différence entre les deux c'est qu'il fait moins de dégâts mais il a plus de luck. Il a moins de vie. Et je crois que ces sorts sont pas mal parce que. En fait, quand tu fais ça. Tu.
tu augmentes tes dégâts pour le prochain hit. Et ça, tu peux changer qu'une seule ligne. Il est un peu plus dur à jouer, mais il est très sympa. Je l'ai. Donc là, il faut que je gagne le chapitre 2 avec Nimble. Donc dans tous les cas, il faudrait que je joue lui. Ensuite, après, pour avoir, faut que je joue lui. Pareil pour Dead et jusqu'à ainsi de suite. Donc voilà, t'es jeu très sympa, jeu très très cool. Je vais vous laisser sur le. Alors, je vais faire une coupure sur le live et je vais reprendre. Je vais voir avec mon boss ce qu'on fait. Voilà. On a pu découvrir ce petit jeu. C'est cool. Le jeu est vraiment archi cool. Parce que je vous le conseille. C'est un très bon jeu. De toute façon, les jeux de Edmund Macmillan, ils sont tous très très bien. Je pense que très bientôt, on va se faire un autre jeu que j'ai très 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 envie de faire. C'est pas. Alors, ça sera. De toute façon, Isaac, on risque d'en continuer. D'ailleurs, Isaac, c'est bon, hein, j'ai récupéré mes sauvegardes. Pour ceux qui se posaient la question. Parce que j'avais des sauvegardes où j'avais tout. Et j'étais en mode, bah je les ai plus. Et en fait, je les ai récupérés. Donc en vrai. Bah, ça me faisait chier parce que j'étais en mode, j'avais toutes mes sauvegardes. C'est pour ça que j'ai dit qu'on allait tout recommencer. Parce que j'avais perdu toutes mes. Le clone m'avait rien sauvegardé. Et en fait, si. Donc j'ai pu récupérer des sauvegardes. Je me suis arrangé avec un ami pour avoir des sauvegardes aussi. Donc c'est pas un problème. Donc on va faire The End is Nigh, un jeu de plateforme dur et compliqué, mais qui pourrait être sympa à faire. Qui a eu pour le coup lui une très bonne critique alors que. Que le jeu est assez dur, mais il a eu une très bonne critique parce que c'est un super Meat Boy, pas en mieux forcément, mais avec des mécaniques différentes qui est vachement cool. Et je sais que. D'ailleurs, ouais, le jeu a beaucoup plu quoi. Donc voilà, jeu très très cool. Donc on va pouvoir le faire aussi et ça nous fera deux jeux. Allez, je vous coupe là à l'arrache et je reprends peut-être. À toutes.